Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Brioche Cuit. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Brioche Modée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose d'un peu spécial, car j'ai un peu beaucoup avancé hors caméra, donc autrement, j'ai miné. Je me suis fait une armure plutôt sympathique, et notamment. Donc une armure en Perdiote, là, Topaz, toujours encore, et en Aquarium Boot, là. Bref, voilà, donc je les pioche aussi, et donc voilà, c'est tout nickel. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, ouf, oh, voilà, c'est mieux comme ça, j'ai été miné, donc c'est plutôt sympathique. Et ce qui est encore sympathique, c'est que l'armure me rajoute des effets. Ma foi, fort sympathique. Donc juste avant là, j'étais en train de miner pour qu'on puisse préparer l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, des choses un peu nouvelles, car un nouveau mode est venu à notre collection, comme là, vous pouvez deviner. Oh, bah, vous savez quoi, on va carrément faire. Oh, voilà, donc en gros, ouais, c'est Bullcraft. Donc qui rajoute beaucoup de choses. Et un autre qui s'appelle Transport Cube. Enfin, peut-être plus Tube Transport System. Qui va nous permettre de faire un peu des ascenseurs pour se déplacer sur la map. Ça va être bien sympathique tout ça. Donc je vais retourner à ma base. Et on se retrouve bah, quand je suis de nouveau à ma base. A tout de suite. Et on se retrouve tout en bas de la mine donc, que j'ai creusée. Donc voilà, on s'est un peu baladé. Et on va tout de suite remonter. Donc j'ai fait un accès directement de la base aux grottes. Ce qui est beaucoup plus pratique pour moi pour venir miner, etc. Même si bientôt on n'aura plus besoin de miner. Oui. Par contre, bon. Ça, on va pas dire que ça soit très terrible. Ah! Ah oui. Ah très bien. Bon. Bah, écoutez, je merde, oui, j'enlèverai tout ça hors caméra. Déjà, on va essayer de remonter. Ce serait plutôt pas mal. Neuf, truquement neuf, on peut le faire. Voilà, on va récupérer un peu celle-là. Évidemment, j'ai pas de hache sur moi. Ça se casse relativement vite. Hop. On va monter. oui, ça c'était pas prévu par contre. Mais bon, à terme, justement, on utilisera le mode transport, je sais plus quoi là, pour se transporter d'un bout à l'autre de la base. Donc voilà, donc j'ai fait quand même pas mal de trucs hors caméra. Donc j'ai rangé ça, je sais pas si j'ai fait hors caméra. J'ai arrangé le système du heat generators. J'ai fait une table d'enchant. Voilà, bref. On s'est mis plutôt pas mal. On va ranger tous les minerais dans le coffre à minerais. Et tout le bordel dans le coffre à bordel. Sauf que ça va pas dans le coffre à bordel. Hop, boum. Et ça va là-dedans. Dans le petit hopper. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant cet épisode? Ben, pendant cet épisode, j'ai prévu de construire là. Quarry, je crois que c'est écrit comme ça. Non. C'est une carrière, enfin une quarry quoi. Écoutez, on va chercher ça manuellement. C'est peut-être là. Non, c'est pas là. On va chercher ça. Alors la quarry. Évidemment, il y a tous ces trucs qui servent complètement à rien. Ouf, gros coup de lag donc. Ah oui, ici ça lag. On va se trouver cette quarry. Alors, on va aller dans mode. Là, voilà, ça s'écrit comme ça. Hop, une quarry. Voilà, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc avec un peu de diamant, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été miné tout à l'heure. Donc voilà, donc ça donnera du diamant, du gold et tout. Donc pour cela déjà il faut des iron gear, donc déjà il faut du gear tout court. Pour ça on a du bois, c'est nickel. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché à Bullcraft, je sais même plus comment on craft des gears. Je crois que c'est peut-être avec des sticks. Oui, c'est comme ça.
On va s'en faire plein de toute façon. Hop, c'est jamais perdu. On va peut-être utiliser ça pour autre chose. Hop, donc. Voilà. Boum. On va du coup les transformer en Stone Gear. Boum. Et donc, on va faire chauffer un peu de fer. Boum. Boum. Donc, est-ce qu'il faut des Stone Gear? Non, il faut que de l'iron. Donc, 3 iron. Ensuite, 2 gold. Et ensuite, 2 diamants. C'est ça, voilà. Une pioche en diamant. On peut tout de suite faire une pioche en diamant. Donc, je suis un peu enrhumé. Du coup, ma voix risque de ne pas être comme d'habitude. Donc, je m'en excuse d'avance. Alors, boum, on a déjà la pioche en diamant. Voilà, on va pouvoir se faire des gears supplémentaires. Pour en faire 2. C'est super. Évidemment, je mets les mauvais. Boum. Et ensuite, on va pouvoir se les transformer en or. Pour ça, on a de l'or. De l'or qu'on va faire cuire là. Boum, on peut s'en faire une autre. Hop. Évidemment, chaque fois je me trompe. Tu sais quoi, on va ranger carrément ça. Parce que je vais me retromper une autre fois, ça m'énerve. Donc voilà, on a ça. Et du coup, en attendant que ça cuise, on va attendre. Écoutez, je vous fais une petite ellipse le temps que je. Tant que ça cuise, et on se retrouve pour crafter. À tout de suite. Re les amis, donc en attendant que ça chauffe, je vais vous montrer aussi quelque chose qui s'est passé hors caméra pendant que je suis en train de miner. Il y a une météorite qui s'est écrasée ici, puis une autre là-bas. Donc là, on peut voir que ça fait quand même pas mal de dégâts. Hop, donc on va arrêter tout ça tout de suite. Ça a posé de l'obsidienne. Bon, bah écoutez, tant pis pour la forêt, j'ai envie de dire, hein. La pauvre, elle avait rien demandé, elle s'est fait complètement exterminer. Je crois qu'à la base d'ailleurs c'était autre chose et que ça s'est transformé ou je sais pas. Écoutez. Voilà, donc là on peut prendre vu que ça fait longtemps qu'elle est tombée, elle est pas chaude. Et du coup on peut tout récolter. Hop, comme ça. Même si ça en donne que très peu. Mais bon écoutez, ça donne de l'XP. Ça donne pas mal d'XP, du coup on récupère. Et puis de toute façon il faut attendre que ça cuise du coup. Que ça cuise du coup écoutez hop on se fait plaisir. Ah ouais bon, on va éviter peut-être de récupérer tout ce qu'il y a sous la terre, ça risque d'être plutôt relou, casse-pied même. donc je pense pas qu'on récoltera tout non plus hein. Hop. Hop. Ah oui, pour ceux dans le début d'épisode, ce que je tiens à la main c'est pas une pioche en diamant, regardez un peu la différence. C'est une pioche comme ça. Voilà. Que j'ai enchanté Ficette 2. Comme ça, vous serez. Parce que vous me direz pas dans les commentaires. Je sais pas quoi. C'est quoi ta pioche ou. Une histoire comme ça. Oui, sachant. Oui, j'ai enlevé aussi mon texture pack. Parce que ça. Il n'y en avait aucune utilité. Sachant que. Donc là, il en faut 4. Sachant que. Que les mods n'étaient pas concernés par le texture pack, ça faisait plus moche qu'autre chose. Alors là, il va me falloir encore une gear en fer. Donc, on va se faire ça. Hop, boum. On va cuire ici du fer à la place de l'or. Donc là, on a déjà quasiment tout le craft qui est bon, hein, parce qu'il faut quoi d'autre? Ah, il faut une redstone. On va se trouver ça. Hop, dans le coffre, voilà, une redstone, c'est pris. Et donc voilà, ça permettra d'avoir des ressources sans lever le petit doigt et ça sera plutôt cool. On va buter. Évidemment, il y a le creeper qui se ramène. Hein, peut-être, voilà. Hein. Peut-être que je torche un jour par ici. Ah oui, aussi, hors de caméra, j'ai récupéré une tête de creeper. Voilà. Avis aux amateurs.
Une pelle apparemment. Je le rencontre que tout de suite. Voilà. Donc boum, 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 boum. Et bon, voilà. Donc là, on va pouvoir faire le craft. Oula. Creeper s'est pas amené au moins. Non, il est toujours là-bas, c'est bon. Ok, c'est bon, on va pouvoir faire le craft en toute sécurité. Donc, ça là, ensuite, là, les Iron Gear, elles se mettent comme ça et ça, comme ça, et la pioche là. Oui, c'est bon. Donc voilà, donc là, on va avoir quelque chose qui va détruire, entre guillemets, les chunks, comme l'achievement vous dirait, hein, Chunk Destroyer. Donc c'est nickel, mais ça marchera pas tout ça. Pour ça, il va falloir des lampes un peu spéciales. Voilà. Des lampes marques qui se craftent voilà, relativement facilement. Donc il va nous en falloir 4, si j'ai pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. Et du coup, 1, 2, 3, 4. Alors, on va tout de suite se crafter ça. Hop. Et hop. Et il nous faut encore autre chose. Il va nous falloir des pipes. Voilà, en gros, des pipes d'électricité. Donc là, ça c'est pour les items, mais ça c'est pour l'électricité. Voilà, donc on peut tout simplement faire une pipe basique, mais pour ça il va falloir du sable qu'il faudra cuire. Donc on va tout de suite aller chercher du sable justement avec la pelle qu'on a eu aujourd'hui. Du sable, je sais pas où je vais en trouver, mais je vais en trouver quelques. Ah là-bas, il y a l'air d'en avoir. Voilà, juste là-bas. Donc on va se récupérer ça pour pouvoir faire des pipes et des transport pipes. Parce que je pense pas qu'on va tout faire venir chez nous. J'ai passé là. Ouais, bon, il y en a là. Finalement, il y a des mobs. Et merde. Ah non, c'est bon. Wow. Comment ça, t'es pas mort, toi? Donc voilà, donc là, il nous reste plus qu'à miner tranquillement du sable. Et on. Oh, lui aussi, il y a une pelle là-bas. Eh, poteau, moi aussi, j'ai une pelle. Tu me laisses tranquille? Hop, donc on va. Tellement con qu'il est mort dans la lave. Donc on retourne à la base et on va se crafter les pipes qui nous permettra du coup de transporter l'énergie. Il nous faudra encore autre chose après, oui, parce que c'est pas terminé. Par contre, lui, non. Enfin, bof, quoi. Par contre, non. Pitié, pète pas, pète pas. Alors, j'ai des petits coups de lag, écoutez. C'est ouais, de temps en temps. Alors, du coup, on va pouvoir chauffer. Évidemment, hop, on va se chauffer tout ça. Donc, il va falloir des pipes comme ça. Ou done, c'est bon. Donc, voilà, pour ça, il faut juste mettre de la redstone à côté de pipe normale. Enfin, de. Comment ça s'appelle? Oui, donc ces câbles-là ne sont pas compatibles. Enfin, je crois pas. Mais bon, on va faire les pipes du mode, comme ça il n'y aura pas de problème. Ouais, bon, du bois j'ai sur moi, ça tombe bien. Du coup, on va tout de suite, voilà, se faire ce qu'il faut pour cela. Des pipes, ça en fait beaucoup, c'est nickel. On va se prendre de la redstone. Et boum, voilà, on va pas s'en faire des masses non plus. Et ensuite, il va nous falloir des générateurs. Ça, je ne sais absolument plus comment ça s'appelle. Alors, on va regarder. C'est. Où est-ce que c'est? Je pense que c'est le Tlandor. Non. Énergie. Factory. Non. Silicone. Non. Transport. Non plus. Voilà, c'est de ça qu'il nous faut. Donc des redstone. Bon, on va juste écrire. Voilà, redstone. Et c'est où? Où est-ce qu'il est? Là, voilà. Des redstone machin. Du coup, pour ceci, il faut des trucs en bois, de ça. Donc on va en crafter. Bon, là. On a ce qu'il faut sur nous, encore une fois. On va s'en crafter. Allez, 3. Évidemment, il faut plus de ça. Et. Non, on va s'en crafter 2. Parce que j'ai que 2 de fer.
façon, voilà, c'est bouclé. Hop. Boum. Donc on se craft. Évidemment, il faut du bois normal. Et j'en ai pas là. Du coup, on va aller prendre du bois normal. Pour ça, on va peut-être se crafter une. Allez, en crimonite, là, en cresson, là où je parle, où je sais pas quoi. Voilà, boum, on a une petite hache sympathique et on va aller couper du bois. Hop, de toute façon, et il faut du bois normal, pas du dark oak. Hop, et ben non, on n'a pas pu. C'est dommage. Alors, c'est très simple, là, il suffit de couper et tout se coupe instantané. Puis il ne nous en faut pas non plus des tonnes et des masses. Ou plutôt des tonnes et des tonnes, on va dire. C'est peut-être plus français dans ce sens-là. Alors, on retourne là, on reprend le craft, donc c'est-à-dire de là et beaucoup là, même si en fait l'info je te donne aussi. Évidemment, j'ai oublié de faire ça, comme ça, ensuite ça et ça, ensuite ça et ensuite ça, évidemment, c'est dans l'autre sens. Boum, on a le piston. Donc ensuite, piston, donc ça, on a, ok. Donc le reste, ça doit pas être un problème. J'ai les. Ah, il faut faire des gates normales. Donc il en faut 4. Hop, boum, 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 boum. Parce qu'il je crois qu'il en faut genre. Hop, 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 et hop. Voilà. Et on a tout ce qu'il nous faut. Il faut juste deux petits leviers. Ouais, et là, on est prêt à. On va peut-être se prendre un coffre. Peut-être que ça pourrait être pas mal non plus. On va se faire un coffre basique pour l'instant. Même un double coffre basique pour l'instant. Et on va aller. Ah bah, nickel, il fait jour. Et on va aller s'installer ça un peu plus loin. Donc on rebouchera les méga trous que ça fait. Mais bon, en attendant. Ça extérieur, on va quand même s'éloigner un minimum. Histoire de ne pas gâcher, enfin de pas tout casser non plus. Alors, donc on va installer. Oula, on va buter ce creeper et je pense que. Ouf, l'épée. Hop. Hop. Hop, n'imbibez pas mon terrain, je l'ai réservé. Alors, hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc, si par exemple, je veux que ça se fasse ici. Donc il y a juste à poser donc la quarry. Donc là on a une zone définie. Sauf que moi je veux pas cette zone. Donc pour ça, normalement, on doit utiliser des landmarks. Donc ça s'appelle. Pour ça, rien de plus simple. On va les placer. Par exemple. Or, est-ce qu'il n'y a pas une interface là-dessus? Non. Donc je pense que le truc c'est que. Là, on va s'éloigner de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va mettre une landmark. Boum. Ensuite, là, on va faire pareil. On va s'éloigner de 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on met une landmark. Ensuite, on peut faire assez simplement. Donc, boum, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est au dixième. Tout simplement, on se déplace tout droit ici. Et on monte. 2, 1, 2, 3. On met la landmark. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Parce que c'est pas fini. Sauf que je vois pas du tout la landmark. Elle est où? Elle est où? Elle est juste ici. Donc, on va se mettre bah, ici, justement. Non, il y a un trou en dessous, du coup, on a juste à la monter de une. Voilà, et ensuite, on fait juste un clic dessus. Donc là, on a une zone définie. Et normalement, il suffit juste de remettre la quarry. Voilà, donc là, on a notre zone qui a été définie sur des chunks. Voilà. Donc, elle est assez grosse, mais elle n'est pas non plus extraordinaire. Donc là, on va pouvoir aller récupérer nos torches, car elles ont été détruites parce que, enfin,
ne servent absolument plus à rien. Tout simplement. Hop, on va reprendre celle-ci. Et on va reprendre celle-ci aussi. Voilà, donc ensuite, il va juste falloir lui donner une source d'énergie pour la... Comment? L'alimenter. Donc voilà, donc nous on a nos pipes comme ça, donc on peut brancher. Hop, donc évidemment ça c'est des wooden transport pipes, c'est absolument pas ce que je voulais. On prend les bons pipes, s'il te plaît. Hop, et on va les brancher. Voilà, pareil, évidemment c'est ni par là, ni par là, ni par là, ça doit être par en dessous. Alors. Et non, c'est pas par en dessous non plus. C'est par au-dessus alors? Non. Bah c'est par où, bordel? Très bien. J'ai dû louper une étape. On va regarder encore une fois. Oh non, vous savez quoi? On va pas s'enquiquiner plus longtemps. Voilà. On va directement mettre nos engines sur la quarry et on prend tout simplement un levier qu'on allume. Donc là, il faut le temps que les moteurs se chauffent, je pense. Voilà, donc là, vous voyez qu'il commence à chauffer sur la quarry et vous allez voir que petit à petit, la quarry va se mettre. Donc, on va attendre. Peut-être activer la quarry aussi. Ça, c'est possible. On va essayer. Ça m'a pas l'air de réagir. Qu'une réaction du patient pour le coup. Peut-être mettre un coffre. Une réaction. Très bien. Ils sont peut-être pas assez puissants. Mais écoutez, en attendant, on va enlever ce qui gêne la quarry. Parce que normalement elle est censée le détruire tout seul, mais bon. Peut-être. Ah, peut-être que c'est ça qui gêne et du coup elle veut pas. C'est possible. On va enlever et on va voir ce qui se passe. Hop. Et il ne se passe absolument rien. Eh bien, re tout le monde, on se retrouve après quelques minutes de réfléchissement. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Donc, je pense de savoir d'où vient le problème. Donc, il vient tout simplement de ces moteurs. Donc, pour moi, ces moteurs sont tout claqués et ils sont vraiment pas bien. Alors, on va les détruire. On va essayer avec un autre type de moteur. Donc, cette fois-ci, c'est les moteurs à combustion. Donc, pour ça, il va falloir remettre du charbon dedans ou du bois. Donc on va tout de suite aller se récolter du bois et on va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne pas, il va falloir utiliser du charbon. C'est des ressources qui sont plus limitées pour moi. On saura une ferme automatique à charbon plus tard si besoin. Mais bon, en attendant, on va essayer avec du bois vu qu'on a un moyen assez simple de miner du bois à l'infini. On va tout de suite se mettre ça dans le... Dans l'engine, dans le. Voilà. Hop. Et on remet le levier qui permettra de l'activer. Et ça marche. Donc là. Ah voilà. Et là, vous voyez. On prend un petit screen. Ouais, même si c'était. Il fait nuit. Ouais, il fait time 7-0. Voilà, comme ça, il fera un peu plus jour. Pour vous, la vidéo, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Hop. Plus tard, je ferai un lit, mais bon, pour l'instant, je suis pauvre, j'ai pas de lit. Donc voilà, on va mettre la moitié dans l'autre pour que ça aille deux fois plus vite. Et donc là, on peut voir que, vu que j'ai déjà tout fait ça correctement, voir comment ça miner des blocs. Et ces blocs, ils sont, hop, juste ici dans ce coffre. Donc ça sera... fait comme ça tout le temps, tout le temps. Donc on va se récupérer pas mal de bois et on va vite fait faire un système qui permettra de remplir ces bah tout enfin remplir tout le temps les bah, ce qu'il faut hein. Comment dire
Bah que voilà, tous les moteurs soient tout le temps alimentés. Donc pour ça, on va pas utiliser des hoppers, hein, ça serait trop entre guillemets basique. On va encore utiliser des autres choses de Bullcraft. Donc voilà, donc pour cela, on peut mettre ça. Mais du coup, ces wooden machin pipe vont nous être utiles. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on peut faire entrer des choses dans les moteurs. Donc il suffit tout simplement maintenant qu'on aille chercher, qu'on aille faire plutôt d'autres pipes. Donc pour cela, rien de plus simple, on va voir le craft tout de suite. Donc on va faire des stone pipes, je pense. Donc des pipes basiques, si on peut dire. Donc des pipes qui vont lentement, qui sont pas chères à crafter, qui ne servent quasiment pas. Enfin bref, tout est basique. Voilà, des cobblestone, transport pipe. On va aussi refaire comment s'appelle un coffre. Hop. Évidemment. Boom. On va faire un coffre pour pouvoir stocker le bois qu'on pourra faire. Et du coup, pour le coup, les redstone engines vont être utiles. Pourquoi? Donc, je vais tout de suite vous montrer. On peut voir que la quarry là-bas, elle fonctionne très très bien. Donc, on y va tout de suite. Hop. Donc voilà. Et on va changer le système. Donc je pense même pas qu'on a besoin de ça. On va essayer sans écouter. On va regarder où sont mes pipes. Ben, ils sont juste là. Très bien. Donc voilà. On va faire ça en gros un cercle. Voilà, donc on va peut-être allumer aussi celui-là. On va faire un cercle avec un pipe comme ça, très important. Et le coffre. Donc là, pour l'instant, ça n'a rien fonctionné. Je peux mettre des sticks dans le coffre, ils ne seront pas envoyés. Donc, on va essayer avec le bois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on ne peut pas envoyer du courant de redstone, ça ne fonctionnera pas. Pour cela, il faut tout simplement un redstone engine. Qu'on va placer comme ça et qu'on va allumer. Donc là, donc quand il s'allumera, voilà, vous pouvez voir qu'il sort les items directement. Plus il y a de redstone engine, plus les items sortiront. Voilà. Donc là, ça sort assez lentement, mais pour pouvoir ravitailler tout ça sans qu'il y ait de gros problèmes. À la limite, on pourra en mettre un deuxième plus tard, ça ne dérangera pas. Sachant que dès qu'un est full, enfin, l'item va repartir et sera bloqué dans le système. Donc faut pas non plus que ça. Enfin, faut pas non plus que ça aille trop vite. Donc on va dire ça comme ça. Donc on va se prendre pas mal de bois. L'histoire que la quarry puisse tourner pas mal de temps. Donc, de toute façon, c'est assez rapide. On va jeter un peu ce qui nous sert complètement à rien. Voilà. On va récupérer la suite du bois. On va encore prendre du bois. Hop. Voilà, donc bon. Pour l'instant, c'est juste un test, un essai. Du coup, je vais pas non plus dévaliser la forêt tout de suite. Donc, on retourne au petit endroit là. Excusez-moi, du coup voilà, boum, on met tout ça, et donc là, ça partira dans les. Ouais, donc là, vous pouvez voir que ça part relativement assez vite. Donc boum, donc là, ça va partir ravitailler. Donc par exemple, celui-là, il en reste 4. Vous pouvez voir que des fois, boum, il va se faire ravitailler, et on aura de nouveau 4. Voilà. Donc c'est un peu aléatoire, je pense que ça n'a pas vraiment de. Enfin voilà. Donc on peut voir qu'il y en a toujours 4, c'est un peu aléatoire, c'est un peu, voilà, là tous ces items iront là. Là tous ces items iront là, bref, voilà. Du coup là c'est ravitaillé assez pas mal. Pour que la quarry puisse tourner relativement longtemps. Donc là on peut voir que la quarry mine la terre. C'est pas très très intéressant, mais bon, c'est une étape qu'il faut passer, car sinon, bah il faut, tant qu'elle arrive et descende tout en bas. Donc elle va relativement vite, on va dire. On va laisser faire son boulot. Et donc là, vu que c'est déjà ici, c'est un peu le bordel, on va casser ça. Donc là, pour l'instant, elle va gicler les items sans aucune pression en l'air. Donc, tout simplement, on va utiliser. Non, ça par contre, c'est plutôt une connerie. Voilà. Donc, on va tout simplement, voilà, mettre un cran plus haut.
arriver à faire un tube comme ça et qui arrive à notre deuxième coffre. Donc voilà, donc là, c'est pour mettre le combustible et là, c'est ce qu'on va recevoir. Simplement. Donc on va peut-être mettre du coup du charbon parce que ça dure un peu plus longtemps pour l'instant. Donc de toute façon, je pense que plus tard on se fera une ferme à Blaze Road ou quelque chose comme ça. Niveau combustible, c'est pas mal. Et même, je pense que plus tard on fonctionnera avec d'autres types d'énergie. Hop, et on fonctionnera surtout plus avec la quarry, avec une autre machine qui est encore mieux que la quarry. La quarry, voilà, c'est bien, mais il y a mieux. Donc on va tout de suite aller mettre ce charbon dans la. Dans le coffre qui va permettre d'alimenter les moteurs. Pour ça, rien de plus facile. Il y a juste à mettre ça là. Donc. Voilà, je regardais juste le temps. Ça fait combien de temps? Voilà, donc là vous pouvez voir que le moteur était full. Il jette les items. Donc on va voir si là il jette pas les items. Donc là il produit 10 RF partic. Ce qui est franchement pas énorme. Donc j'espère que. Et si ça fait dropper les items dans tous les sens, du coup on va vite enlever ça. Avant qu'on ait des pertes de charbon énormes. Donc voilà, donc ici, il y a pas de problème, la quarry va récupérer les items. Il va nous les remettre dans ce coffre-là. Hop, et nous on a juste à remettre le charbon ici. Voilà. Donc on n'est pas obligé de ravitailler tout le temps les moteurs. Mais parce que sinon, voilà, ça, comme vous avez pu le voir, ça va gicler dans tous les sens. Mais voilà, des fois, on met un sac de charbon, puis ça se distribue entre tous les moteurs, l'histoire que ça dure un peu. Ouais. Alors, par contre, ça va pas très vite, mais bon, ça, à la limite, on pourra changer plus tard. Donc voilà, donc on a un système qui fonctionne, ma foi, pas mal pour le minage. Donc on a fini avec la quarry, mais bon. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un peu chiant à chaque fois de faire les allers-retours. Donc pour ça, on va commencer à bosser sur le deuxième mode qui s'appelle hop voilà ce mode-là. Donc simplement on a des cube station et des cubes de enfin pour des directions. Donc nous, si on veut aller de là-bas à ici. On partira en direction, donc vous pouvez voir que hop, la direction est juste ici, donc là on voit pas parce qu'il y a le ast. Donc en est, donc là on va chercher est, ouest, non nous on veut, si on veut ouest, donc ouest c'est cela. Pour ça il faut juste bourriner les trucs violets comme ça, ça se fait. Avec des trucs verts qui se font avec des trucs jaunes, qui se font avec des trucs rouges, qui se font avec des cubes comme ça. Et ça se fait. Et zut, ouais, en gros, ça se fait avec une enderpearl. Donc pour l'instant, ça en fait combien? On va regarder. Ça en fait 16. On n'a pas d'enderpearl, mais justement, on va attendre la nuit pour farmer quelques enderpearls. Donc en attendant, la quarry mine plutôt pas mal. On peut même voir sur la minimap en haut, ça commence à faire un trou. Nos moteurs sont bien alimentés, donc on a réussi, je pense, la mission d'aujourd'hui. Donc je pense que là, on va finir cet épisode là-dessus. Là-dessus. Et dans le prochain épisode, on commencera à s'attaquer pour pouvoir se transporter ici sans aucune difficulté. Donc je pense que d'ailleurs cet épisode, je le tournerai à la suite de celui-là. Bon, bah si cet épisode vous aura plu, je sais pas s'il est très long ou pas, moi j'ai pris un peu de temps quand même hors caméra, le temps que je mine tout, le temps que je mette en place, bref, voilà. Si cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, ça fait toujours plaisir et perso ça m'aide. Ou si n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc si vous dépassez, allez, admettons, les 5 likes sur cette vidéo, dans la prochaine vidéo, on fera un truc de spécial. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais on fera un truc de spécial. Bon, sur ce, c'était Brioche, puis à plus et à la prochaine. Ciao!